Nous vous emmenons au Népal, un vieux pays tout petit comme un quart de la France, étiré le long du royaume sublime de l'Himalaya, dont le karma et le flegme sont étroitement liés au destin de ses imposants voisins indiens, tibétains et chinois. Nous atterrissons à Katmandou, cité stratégique au-delà des années hippies, peuplée de Newars, les habitants de la vallée. Leur civisme est un art comme tant d'autres, décliné depuis le Moyen-Âge, avec la foi et la désinvolture des peuples nés hindous qui jamais ne courent après le temps. Namasté, bonjour, bienvenue au royaume du Népal. Pour vous accueillir, je suis à Katmandou, sous le regard bienveillant du Bouddha, au pied d'un des plus grands stupas du monde, le stupa de Bodhnath, un des lieux spirituels très prisés pour les Tibétains en exil. La communauté est assez nombreuse ici au Népal. Je vous invite à un voyage spirituel, mais aussi assez cool. Vous verrez qu'à Katmandou, l'esprit hippie n'est pas mort. Et le stupa de Bodhnath est un très bel endroit pour commencer ce voyage, parce qu'on y voit tout Katmandou. Ensuite, nous irons faire un trek, les grandes randonnées bien connues au Népal. Pour l'instant, je vous invite à découvrir Katmandou. On y va. Au cœur de Katmandou, dans la vieille ville indifférente aux voyageurs hasardeux, j'ai rencontré Mahesh. Il parle un peu le français et se propose de m'orienter dans le dédale sans nom de ruelles et de places, où les temples portent le nom de la divinité honorée en ce lieu. La croissance de Katmandou s'est faite par l'absorption d'un village par un autre, sans générer aucun urbanisme. C'est un peu le fouillis. La vieille ville n'est pas très grande, aussi peut-on la découvrir ainsi, en s'y perdant, en y flânant au fil des petits marchés, posés le long de ce qui fut la principale artère commerciale de la cité. Ah là, il y a un petit boucher. On voit que c'est un boucher parce qu'il y a une tête de chèvre. Des petites bananes, des mangues, des papayes. Resto local. Ah ouais, petit local. Et pour combien on peut avoir un plat comme ça? Combien de roupies? Ça coûte environ 30 roupies. 30 roupies. Oui. Donc un petit plat pour 3 francs. C'est quoi là? La maman. La maman? Maman. La maman. La nourriture tibétaine. Ah ouais, tu vois, s'il te plaît. Oh! Appelez de Madrid là-bas. Appelez de Madrid là-bas. Demi-pension. Alors? C'est pas bon? C'est très chaud. C'est bon? Ah bon, un peu fort, il y a du piment dans la sauce. Toute la vallée encaissée compte 1 million d'habitants, pour la plupart de l'ethnie Newar. Traditionnellement commerçants et artisans, ils ont acquis une grande influence dans l'administration du pays. Le tambour du singe, ouais. C'est joli la fleur. 150 roupies. 150 roupies, c'est cher un peu. Let me choose the colors. You want two? No, I think I want one. Okay, take one. Dans le plus grand temple de la vallée. Le plus grand temple de la vallée de Katmandou, c'est immense. Dès que l'on croise un sadhu, il se met à poser, même si vous n'avez pas d'appareil photo. Les sadhus sont des fidèles de Shiva ou de Vishnu. Leur vie est devenue une quête spirituelle erratique, plus ou moins authentique. Détachés des biens matériels, ils vivent de l'aumône autour des temples, nombreux à Durbar Square. Le palais et tous les temples qui composent Durbar Square s'imbriquent autour de 3 places. Tous les édifices ont été bâtis entre le XIIe et le XVIIe siècle, selon la puissance des rois et l'intérêt porté aux artistes pour le travail du bois ou de la brique. Katmandou est une ville attirante qui grandit trop vite. Aujourd'hui, elle compte 500 000 habitants. Ils sont 1 million dans toute la vallée. Et la densité croissante pose des problèmes, dont la pollution de l'air et de l'eau. Les collines alentours sont étonnamment fertiles, alimentant en maïs, en riz et en blé la vallée, même si le mode de vie urbain gagne du terrain. Ils en sont fiers, les Népalais, de leurs embouteillages, mais ils ne durent jamais longtemps. Oh, c'est un très bel endroit en tout cas. Super beau. Bon.
Mahesh nous emmène voir l'un des nombreux trésors cachés du savoir-faire népali, une fonderie en bronze anachronique. C'est dans le quartier de Patan que sont installés les fondeurs, brûlant depuis des siècles des figurines divines, hindoues ou bouddhiques tantriques, sans modifier d'un degré la chaleur infernale du four, ni les dangers des manipulations bouillonnantes. On retrouve sur les étals des marchés de Patan, devant les temples ou dans les échoppes brillantes et spécialisées, des statuettes à tous les prix, de 50 à 5000 roupies, entre 5 et 500 francs. Quand les Chinois ont envahi le Tibet, beaucoup de Tibétains ont fui les persécutions en trouvant refuge au Népal voisin. En 1960, la Croix-Rouge a créé une vaste fabrique de tapis au sud de Patan, qui n'a plus rien en commun avec un camp de réfugiés. 1000 femmes y travaillent, qui ont monté la plus grosse production du pays. Une réussite florissante qui fait largement vivre les 12 000 Tibétains en exil de ce côté-ci de l'Himalaya. De moutons, ou de yak, ou de... Les tapissières de Joe Lakel ont des doigts d'or, même si leurs pelotes sont de pure laine. De leur métier sont exportés chaque année plus d'1,5 million de mètres carrés de tapis qui valent 500 millions de francs. C'est la plus rentable des manufactures du Népal dans un pays qui vit quasiment hors de l'économie de marché. Au milieu de la vallée coule une rivière, la Bagmati, qui sépare les deux villes de Patan et de Katmandou et qui s'en va jusqu'au Gange. Il y a un quartier qui s'appelle Patan, c'est le prolongement de Katmandou vers l'ouest. On traverse juste la rivière Bagmati. Et pour moi, c'est le plus joli endroit de la vallée de Katmandou. C'est sans doute pour ça que Vera m'avait donné rendez-vous ici à Patan. Je vous présente Vera, qui est une Française vivant à Katmandou. Ça fait longtemps que tu es là, Vera ? C'est la quatrième année, oui. Pourquoi es-tu arrivée à Katmandou ? Dans les années 70, on n'aurait pas demandé pourquoi, et aujourd'hui, peut-être un peu plus. Bah, écoute, ça a commencé en fait dans les années 70. Je suis venue ici il y a 20 ans. J'ai eu une petite fille qui est née ici. Et c'est vrai que j'ai eu toujours un peu la nostalgie parce qu'à l'époque, je suis restée que 6 mois dans le pays. Et je m'étais toujours dit, un jour, je reviendrai et j'habiterai dans ce pays. Parce que j'ai beaucoup voyagé, c'est vraiment le Népal. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce pays. Une espèce de magie comme ça qui c'est a fonctionné. C'est doux, agréable. Oui, je crois qu'il y a plein de choses. Il y a la gentillesse des gens. Il y a le fait qu'on trouve une espèce de magie au quotidien. Et une poésie qui n'existe plus en France et qui pour moi est indispensable. Et c'est vrai que le jour où j'ai décidé de revenir m'installer ici, j'ai absolument pas regretté. Je suis vraiment ravie d'habiter là. Ben, génial, je crois qu'avec Vera on va avoir un guide génial. Merci. Pour toute la semaine et pour tout notre voyage au Népal. Là c'est l'ancien palais royal de Patan. Oui, alors ça c'est l'ancien palais royal qui a été construit au milieu du XVIIe siècle. Et en 34 ici, il y a eu un gros tremblement de terre et il y a eu énormément de bâtiments qui se sont effondrés, dont une partie du palais et pas mal de temples autour. Et heureusement, ça a été reconstruit tout à fait dans la lignée de l'époque, enfin, dans l'architecture de l'époque. Oui, parce que ce sont des artisans fabuleux, les Newars. Oui, oui, c'est vraiment des artisans de la vallée de Katmandou. Ouais, ouais. Magnifique ces sculptures sur bois. Oui, c'est vraiment superbe, c'est vraiment des grands artistes. Un tout petit peu de calme avant de ressortir. Le royaume du Népal, c'est en fait une monarchie constitutionnelle maintenant, c'est ça, il y a eu des rois jusqu'aux années
5 ans. Il y en a toujours un qui est toujours là, mais c'est vrai qu'il n'a plus le pouvoir absolu maintenant, puisque c'est un régime constitutionnel, comme tu viens de le dire. Mais il est toujours là. C'est lui qui officie à toutes les cérémonies religieuses qui sont très importantes ici, parce que c'est quand même un représentant des dieux pour le peuple népalais. Donc c'est quelqu'un de très important, même s'il n'a plus vraiment un rôle politique. C'est quelqu'un qui vénère énormément. Et à chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses, qui est vraiment très souvent le cas ici, le roi est là, il préside les fêtes, il bénit les gens, et voilà. Ah bah tiens, là, je crois qu'une fête religieuse se prépare. On commence à... Comment elle s'appelle, celle-là? Tu m'avais dit, début de la semaine, vous allez arriver la semaine de... C'est Dasein. C'est Dasein qui commence. Et c'est une fête qui est consacrée à la déesse qui est censée protéger la vallée. Ce sont des gros fêtards, les hindouistes. Hein. Oui, ils font sans arrêt des fêtes. Il y a 300 fêtes par an. Oui, bon, là, on va oui, ça arriver par là, on va les laisser... Les fêtes, petites ou grandes, sont aussi nombreuses que les divinités, dont les hindous eux-mêmes ne connaissent pas le nombre. Elles ne sont pas à date fixe, car elles suivent le calendrier lunaire qui date les années népalies. On vit ici 57 ans avant la France. Ok, on a dit les combien? Le cyclopousse, 10 roupies, okay. Pour aller un peu dans le... rester dans Tamel. Donc c'est pas très cher et en fait c'est pas un moyen de locomotion que pour les touristes quoi. Hein, les Népalais aussi ils prennent ça souvent. Oui, les Népalais, les femmes surtout utilisent les rickshaws pour faire leur shopping. Ah, tiens, il y en a 4 femmes dans la rue. Les femmes qui ont de l'argent bien sûr. Donc c'est pas uniquement réservé aux touristes. Sida Jane. Il y a quelques rues commerçantes à Tamel et le shopping y est plus qu'intéressant pour les immanquables bonnets de laine de yak et les broderies très expressives sur mesure faites en une ou deux heures que l'on marchande modérément. C'est bien hippie, c'est un peu, non là, le retour de la pâte d'Ef. Tout à fait hippie, oui. On croyait que Katmandou, c'était fini, là. Et en fait... Ça s'est jamais arrêté. C'est jamais arrêté, depuis hein. Les années 70, ils sont restés un peu coincés sur ce registre. Mais en fait, on voit en plus, même si ça marche beaucoup avec le tourisme, c'est la première rente du Népal, le tourisme. Oui. Mais les touristes ont quand même tous un style particulier. C'est pas les touristes d'ailleurs, c'est les touristes du Népal. Même si c'est des trekkers, même si c'est les touristes du Népal. On les voit, ils ont souvent les cheveux un peu longs, la barbiche. C'est vrai, hein ? C'est vrai. C'est un peu les nostalgiques des années 70 qui viennent ici. Ils viennent un peu avec la panoplie. Ah oui, ça c'est beau ça aussi. Hein. Il n'y a plus de drogue et il ne faut pas croire que c'est un paradis de la drogue, Katmandou, pas du tout. Ouais, c'est complètement parce illégal que le gouvernement, maintenant. Il y a quelques années, en a eu vraiment marre. Ils ont mis tous les drogués dehors, ils ont bien fait. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu un pays très, très clean. Quelqu'un se fait prendre, même en train de fumer du hash, il va en prison et il est expulsé immédiatement. Donc ça rigole plus du tout avec ça. C'est fini un peu les paradis artificiels de Katmandou. À part peut-être, je crois, pendant la fête de Shiva, c'est ça? Oui, c'est vrai qui était une fumeuse de hashish et... Voilà, c'est vrai que les Népalais, pour certaines coutumes religieuses, ont gardé le droit de fumer du hashish, mais normalement, c'est interdit. Légalement, c'est interdit, même pour les Népalais. Tamel, et cet endroit le plus commerçant, peut-être, de Katmandou. Oui, c'est le plus touristique. À la fois, c'est assez baba cool, il y a encore les belles tenues des années 70 qu'on aime bien. Et à la fois, c'est ultra moderne au Népal, en fait, parce qu'on peut avoir, email, internet, phone call, ça, c'est bien organisé pour ça. Ça, c'est extrêmement pratique et c'est le côté amusant du Népal, c'est que c'est à la fois le Moyen-Âge et en même temps, c'est l'an 2000, parce qu'à tous les coins de rue, c'est vrai qu'on peut envoyer des fax ou des emails. Et ça marche bien, il n'y a pas de lézards, c'est pas trop cher. Non, c'est pas cher, ça marche très bien. Et pour les touristes, c'est vraiment génial de pouvoir, pour une communication locale, envoyer des nouvelles à l'autre bout du monde. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Et en plus, celle-là, elle fait boulangerie en bas et au premier étage. C'est génial. Tamel, c'est un grand quartier et c'est là où vont la plupart des touristes et la plupart des hôtels, c'est ça? Oui, alors par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas de nom de rue ni de numéro.
Donc pour trouver un endroit, il faut se faire indiquer bien à quel endroit exactement. Bon, nous, on va avoir un magasin de trekking pour vous montrer que même si on arrive au Népal et qu'on n'a pas grand-chose, on peut tout trouver ici. Namasté. Namasté. Tout ce qu'on veut, les sacs à dos, les sacs de couchage. Et c'est les prix occidentaux ou moins chers, on peut faire des... C'est quand même assez cher parce que c'est des choses qui viennent d'Europe, donc forcément c'est quand même assez cher par rapport à tous les objets locaux qu'on peut trouver ici, qui sont fabriqués ici, qui valent 10 fois moins cher qu'en France. Mais et qui sont peut-être pas mal, en tout cas pour ce qui est vêtements, on peut trouver localement. On peut trouver localement, oui, absolument tout ce qu'il faut pour monter en altitude. La roupie, elle change beaucoup de Pas énormément, non. En général, on a 10 roupies pour un franc. C'est, ouais, c'est à peu près le taux. J'avais compté ça. Donc, il faut savoir que la vie coûte à peu près 10 fois moins cher ici qu'en France, en proportion. Ouais. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Très intéressant. Ça, ça peut être un peu mythique, là, si on se fait un petit bandana de Mont Everest. Pour partir en trekking. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en fait? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier? Un peu des affaires chaudes pour le soir? Oui, alors je dirais ce qui caractérise le Népal, c'est les différences d'amplitude thermique. C'est-à-dire que dans la journée, il fait très très chaud parce que le soleil tape. On est quand même au niveau des Canaries ici, donc on est très bas. Même si on est en altitude, le soleil tape très fort. Et donc le problème, c'est que dès qu'on monte assez haut et que le soleil se cache, il fait très froid. Donc on passe de températures qui vont de 25 à 30 degrés facilement dans la journée à zéro, voire des températures négatives le soir et la nuit, quoi. Donc il faut bien se protéger la peau et prévoir des choses assez chaudes. Nous allons à Dili Bazar, à l'opposé de la ville. Donc là, on est passé à l'est de Katmandou, dans un quartier qui s'appelle, Vera, Dili Bazar. Dili Bazar. On a mis un peu de temps pour traverser. Parfois, le problème à Katmandou, ce sont les embouteillages, parce que sinon, la ville n'est pas très grande. Oui. Et tu nous as amené là parce que moi, j'avais envie de voir quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui en Europe, qui s'appelle le pashmina. Ça remplace presque le cachemire dans ce genre d'étoffes et d'étoffes très douces et assez luxueuses d'ailleurs. Mais c'est fabriqué spécifiquement au Népal. Plus fine et plus douce et plus chaude que le cachemire, la laine de pashmina se trouve sur une petite chèvre semi-sauvage vivant parmi les tribus nomades des hauts plateaux du Tibet occidental et du Népal à 4 ou 5 000 mètres d'altitude. Protégée des léopards des neiges par des chiens féroces, elle se défend du froid en fabriquant cette laine incomparable, particulièrement douce autour de son cou. Les bergers la ramassent et la vendent sans toujours connaître la nouvelle vague de leur précieuse collecte qui sera tissée à la chaîne dans ces mini-ateliers des faubourgs de Katmandou. Historiquement, ce sont les empereurs moghols indiens au XVIe siècle qui firent venir des artistes de Perse pour broder les châles de cette magnifique laine. En persan, pash signifie laine. Un jour, le sultan d'Égypte offrit un châle à Bonaparte qui le donna à Joséphine. Elle lança une première mode en Europe qui renaît à notre époque. On la trouve à prix coûtant chez ces petits fabricants. Nous allons à Pashupatinath, le plus important temple hindouiste du pays. Pashupatinath. Pashupatinath, c'est bourré de singes. C'est un magnifique temple encore, qui est près de la rivière Bagmati, c'est ça? C'est ça, oui. Et c'est un temple hindouiste, parce qu'en fait au Népal, il y a 70% à peu près d'hindouistes et 25% de bouddhistes. Et ici, ce sont des temples hindouistes. Donc nous, bien sûr, on n'a pas le droit d'y pénétrer, mais on peut quand même avoir un aperçu de tout l'ensemble. Aux alentours. Oui. Et c'est donc là où il y a les crémations, où on brûle les morts, sur la rivière Bagmati. C'est un rituel hindouiste. C'est un rituel hindouiste. On regarde, il y a des jolies couleurs là. C'est pour faire quoi? C'est pour faire de l'imprimerie? Non, non, ça c'est pour les tikkas, pour offrir aux dieux, c'est pour les offrandes. Et alors, au départ, toutes ces pierres gravées, c'était des prières. Et après, ils en ont fait des dessins. Un truc un peu plus païen pour les touristes. Les temples sont dédiés à Shiva, dieu destructeur et créateur du panthéon hindouiste. Tout hindouiste fervent rêve d'être incinéré sur les berges de la rivière sacrée avant de se réincarner.
Alors, les ghâts de crémation, les stèles en pierre où sont déposés les corps, sont presque toujours en combustion. Voilà. C'est étonnant ce bol-là. C'est ce qu'on appelle les bols chantants ici à Katmandou. Ils sont faits de 7 métaux différents. C'est encore un savoir-faire népalais ? Oui, tout à fait. Et moi, je suis sûre que je ne saurais pas faire le chant. Je sais pas le faire chanter. Like this. I suppose it's for you. Bien avec sa main. Yes. On sent des vibrations dans le bras. Just like. Not hard to talk. Je vais essayer. Comme ça. Slowly, doucement. Doucement. Yes. Precise. Ah oui. C'est joli toutes ces poules. Ça sert à la fête de Holi. Oui, c'est ça. C'est toutes les couleurs, on se barbouille de couleurs les enfants. Voilà. Mais le rouge, c'est aussi pour les hindous, se mettre du rouge sur le front, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle la tika, c'est le troisième œil, c'est l'œil de la connaissance. C'est-à-dire que c'est... Et on peut s'en affubler quand on est arrivé à un certain grade dans l'hindouisme ou c'est simplement... Non, n'importe qui, même les enfants ont le droit de porter une tika. C'est le symbole de la connaissance, c'est le troisième œil qui te permet de voir à travers les choses en fait. Un peu au-delà de ce qu'on voit. Au-delà de l'apparence. C'est un peu, l'essentiel est invisible. Voilà, exactement. Pour les yeux. Là, on est à un quartier qui s'appelle Pourano-Baneshwar. Et autant à Katmandou, je crois qu'il y a des tas d'hôtels pas chers et tout dans Tamel. Comme on a vu, autant là, je crois que Vera nous propose une surprise. C'est un palace. Complètement caché à Katmandou, il y a déjà des sublimes portes. C'est un Allemand qui a récupéré cet endroit et il avait récupéré toutes les fenêtres et les portes sur des maisons qui étaient en train de s'écrouler ou sur des temples. Donc tout a été fait complètement suivant la tradition néoir. C'est tout le travail des néoirs. C'est magnifique. C'est sublimissime. Hein. Oui, c'est un bon endroit pour se faire plaisir, je pense. C'est génial. Incroyable. On va faire un petit tour là. Le jardin, les pamplemousses, c'est marrant ça. Ouais, c'est bientôt la saison. La saison des pamplemousses ? Ils sont comestibles comme ça ? Ils sont bons comme ça ? Oui, ils sont pas encore très sucrés là. Il faut attendre encore 3 semaines, un mois et après, oui, on pourra. Et leur chair est blanche dedans, c'est ça ? Oui, la chair est blanche. À 10 minutes à pied de Pashupatinath, le palace de Dwarika est presque un musée. D'ailleurs, vous connaissez beaucoup d'hôtels où l'on flâne le nez en l'air et les mains dans les poches. Donc Vera m'a présenté une amie qui habite à Katmandou. Je vous présente Marina. Elle habite à Katmandou, elle, depuis... 20 ans. Ça fait 20 ans l'an 2000. Pas mal. Tu es arrivée dans les bonnes années, en fait. Oui, les fameuses années. En 76 par la route et puis revenue et puis... Finalement restée. Oui, sans jamais penser que j'allais toujours rester, mais je suis restée. Puis j'ai fini par me marier avec un Népalais et puis je suis toujours là, voilà. Par avoir des enfants népalais et franco-népalais. Et là, alors tu nous emmènes dans un endroit tout nouveau où tu as pu élire domicile pour un magasin. Et il y a un artisanat toi, auquel tu t'es principalement intéressée. Bah oui, c'est au papier népalais. C'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est un papier, par rapport aux autres d'abord, il est assez facile à faire. C'est très facile de faire du papier népalais. Et en plus, il est très solide, les insectes ne l'attaquent pas comme les autres. C'est très bon pour les archives. Ça peut même servir à désinfecter une blessure, etc. Donc et il est vraiment très beau. Je veux dire, on peut aussi le teindre comme on teint du tissu, on trempe le papier dedans et ça y est, c'est teint, c'est parfait, ça part pas en morceaux, donc c'est vraiment... Tu connais bien ton produit, là. Non, je vois que... J'ai l'impression que plus je trouve des idées, plus il y a de choses à faire. C'est vraiment assez fantastique. Bon, on va voir le papier. Il faut déjà qu'on atteigne jusqu'à la boutique, parce que là, c'est un immense palace, c'est ça.
En réalité, c'était les écuries et les parties des domestiques qui étaient attachées à un autre palais qui était avant là et qui a disparu en grande partie. Et où le propriétaire qui lui a perdu évidemment tout ça au moment donné où le roi a repris le pouvoir, c'était un rana, le propriétaire. Lui, il a eu ses rêves d'enfance et il a voulu refaire tout un palais comme il avait dans son enfance. C'est lumineux. Oui, bah oui. C'est lumineux. Ah oui, mais je pense que le papier, ça pourrait être que pour les journées. En fait, tu l'utilises beaucoup pour la lumière. Énormément de choses. Et maintenant, les appliques. Maintenant, j'ai commencé aussi à faire des stores. Ça, on peut le coudre, ce papier. Il peut devenir comme du tissu. On peut faire, c'est très, très, très solide. L'endroit s'appelle Baber Mahal Revisited. C'est chic et sympathique, marqué d'influences britanniques et indiennes. Et il y a un bon restaurant français. Nous quittons Katmandou pour Chitwan. La sortie de la vallée est encombrée, fréquemment empruntée par les routiers, au milieu desquels se faufile comme un hallucinant yéti des collines, une femme revenant des champs. Voilà, on a quitté Katmandou. Et il y a eu des petits glissements de terrain, donc il y a... La route est devenue un peu embouteillée. Enfin, l'autoroute, parce qu'ici, c'est une autoroute. Aïe, 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 aïe. Ouais, finalement, j'ai trouvé un nouveau moyen de locomotion. Patience et longueur de temps font clairement meilleur usage que rage au Népal. Se mettre en colère prend ici tout son ridicule. Cap au sud-ouest vers l'Inde, dans le Terai tropical. Pour partir découvrir la savane du sous-continent, nous empruntons la Mahendra Highway qui sillonne le pays d'est en ouest. La navigation est simple, seules deux grandes routes traversent le territoire par de beaux paysages lumineux. Voilà, on a quitté Katmandou pour le parc national de Chitwan, qui est dans le Terai, c'est-à-dire au sud du pays. La strate, disons, la plus basse du Népal en altitude. On était à 1300 mètres d'altitude à Katmandou et on va descendre à 80-100 mètres d'altitude. Donc on a pris des routes enlacées, parfois souvent embouteillées. Mais ici, c'était une autoroute qu'on emprunte pour aller à Chitwan. En fait, il y a très peu de routes au Népal, il doit y avoir deux principales routes. Elles sont assez bien entretenues. Mais n'oubliez pas qu'au Népal, on conduit à gauche. De toute façon, vous n'aurez pas souvent l'occasion de conduire parce que il faut... quand on loue une voiture, c'est avec un chauffeur. On n'a pas le droit de conduire une voiture au Népal comme ça. Et la route est très belle, il y a plein de rizières. Quand on voit comme on conduit, c'est-à-dire que la plupart du temps on double en montée sans visibilité et on tombe devant trois camions, il vaut mieux faire confiance à un chauffeur. Et en l'occurrence, je vous présente Mayarajama Dangel, qui est notre chauffeur pour tout voyage. Bonne route. Resam kiri ri, resam kiri ri. Undira don ki danam bhunjang resam kiri ri. Resam kiri ri, resam kiri ri. Undira don ki danam bhunjang resam kiri ri. Undira don ki danam bhunjang resam kiri ri. Sur la longue route, j'ai rencontré un Gain, un musicien traditionnel dont la mélopée souriante me trotte encore dans la tête. Après 7 heures de route, nous arrivons au parc royal de Chitwan en bousculant un peu les habitudes. «
Voilà, on est au Tumble Tiger Lodge, on est arrivé après une longue route. Les loges dans le parc national de Chitwan, il y en a une 10-12, Vera, non ? Oui, c'est ouais. Ça, il y en a une dizaine, ouais, à peu près. Et la plupart sont installés sur des beaux endroits. Là, on est sur des endroits un peu marécageux, mais les petites maisons sont sur des pilotis, donc c'est bien, ça évite d'être gagné par les scorpions et les petites bêtes de la jungle. Il y en a un peu, hein, des bêtes venimeuses ici. Oui, bah hier soir, on a vu un scorpion, ouais. D'ailleurs. On ne voulait pas effrayer, mais bon, il était petit, c'était un petit scorpion. Et puis, de toute façon, le dai, c'est-à-dire le gardien de notre petite maison, est venu nous le récupérer. Il ne l'a pas tué, parce qu'on est quand même dans un pays hindou et on ne tue pas les animaux, en général. Il l'a jeté un peu plus loin. Et ce matin, on s'est installé tranquillement pour voir les aigrettes. Il y a un joli ponton pour s'installer voir les aigrettes. Nous sommes sur la partie septentrionale de l'immense plaine d'alluvion du Gange, dans le terrail intérieur, chaud et subtropical. Entre septembre et février, les journées sont tempérées autour de 25 degrés, les nuits à peine fraîches et la lumière éblouissante. Ici règne un étrange milieu, inondé et sauvage, qui profite aux oiseaux, aux crocodiles et aux rhinocéros, où l'homme vit surélevé et fabrique ses murs en torchis, son toit en chaume. Au XIXe siècle, la vallée de Chitwan fut le terrain de jeu des Britanniques amateurs de safari. Le trophée revient à George V et Édouard VII, qui en 1911 ont tué 39 tigres en une dizaine de jours. Cependant, le statut de réserve de chasse permit au parc de préserver les espèces sauvages. C'est plutôt l'éradication de la malaria au DTT qui menace la faune en amenuisant leur habitat naturel. One to the left and one to the right. Okay. And legs round the bar. D'accord. Round the pole. Super, c'est parti pour la promenade à dos d'éléphant. Je vous présente Babar qui est notre guide pour cette. J'ai bien sûr expliqué à Babar pourquoi son prénom a provoqué mon fou rire. Je l'ai un peu vexé quand même. Alors j'ai ensuite admiré son habileté. Very comfortable, hein? Sorry? It's very comfortable. Donc on est sur une. Dame éléphant, très active, manifestement. What is your name? T'appelles quoi nom, Kého? Premlal. Premlal. Kornak. Premlal. Wait, wait. OK. Wow. Yes. What? What? Please come. Yes. Yes. Here I am. Parfois, on trouve des animaux qui sont en train de dormir là, sous ces grandes herbes. Tu parles. Parce qu'ils se sentent protégés, forcément. Si on voyait un tigre, il y a deux jours, il paraît qu'il en a vu un. Et comme c'est la saison des amours chez les tigres, il a vu même un couple. Mais il faut se taire. Chut, parlez beaucoup moins fort. Il y a des animaux dangereux, mais encore un peu invisibles que contre Chitwan. Il y a aussi des ours. Alors, eux, vraiment dangereux. Des ours bruns, je crois, Vera. Oui, j'en ai vu une fois. T'en as vu ? Deux, oui. Ce sont des ours bruns assez grands. Ouais. Les éléphants sont tous apprivoisés, dressés en Inde, habitués à cheminer parmi les hautes herbes et les rivières, avec quelques humains secoués dans l'ouda, cette plateforme où l'on s'assoit à califourchon. Sur eux, l'approche des farouches rhinocéros unicornes est nettement facilitée et passionnante. Quittant Chitwan pour Pokhara, nous sommes arrêtés par un drôle de péage. Un éléphant mendiant et tout le monde fait l'aumône. 10 roupies pour présager d'un bon voyage, c'est une affaire. Madame.
Et la route fut belle, longue et sûre, jusqu'à Pokhara, où à l'horizon se dessinent les contreforts de l'Himalaya, la neige et le ciel pur. Il est 6 h du matin, on est à Chandrakot, là où on a dormi en petit dortoir assez spartiate. Et c'est le départ du trek où on a retrouvé Domor. C'est notre Sirdar. Le Sirdar, c'est le chef des porteurs, c'est celui qui organise l'expédition quelle qu'elle soit, que ce soit un trek de 10 jours ou une grande expédition ou une petite expédition comme la nôtre. Namasté. Namasté. Donc on va faire un petit trek. Déjà, Chandrakot, c'est un lieu sublimissime pour se donner un peu envie de marcher parce qu'on a une vue incroyable sur les montagnes, la chaîne de l'Annapurna, un morceau de la chaîne de l'Annapurna qui commence par l'Annapurna Sud. Et le Sirdar va tout nous expliquer déjà ce qu'on va faire. On va marcher 2-3 jours. So, where are we going? Now, today we are going to aujourd'hui, nous allons à Gandruk. Yeah. Show me on the map. Please, we're Chandrakot, c'est ici. Chandrakot and Gandruk here is it? C'est ici, à 1900 mètres. D'accord, c'est presque 2000 mètres d'altitude. Bon, c'est pas, hein, c'est un peu en l'enfantillage à côté de qu'on voit. Gandruk, yes, là aussi, on va passer une nuit en dortoir. Et puis, and then the day after we go there. Non, le jour suivant, nous allons à Landruk. Landruk. We take this way. En passant par là. Un autre chemin, d'accord. Et ensuite, on retourne à Padana, yeah, Dampus, à Pokhara, Dampus yeah, pour une autre nuit et après yeah. Pokhara. Il est déjà devant le Sirdar, tu crois? Ouais. Ouais. Dépêchez. Allez les biquettes. Ah, voilà un porteur. Il est gentil, dans la... C'est super. Là, on voit maintenant l'Annapurna 4 au bout de quelques heures de marche. C'est quand même assez satisfaisant. 7525 mètres. What a view, hein? Yeah. Namasté. Namasté. Là, c'est pas du folklore, hein, on fait ça pour toute la famille, sans doute. Oui, the place here is named Kulusuri. Yeah, Kulusuri. 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 Ok, on a bien grimpé, on fait une petite pause. Les porteurs, en fait, on les a rejoints. Ils vont beaucoup plus vite que nous, malgré leur charge. Maximum 30 kilos, ce qui est énorme. Là, ils n'ont pas 30 kilos chacun. How many kilos do they have for the moment? 20? 20, 15? Yeah, 15, 20. Yeah, it's a lot. Yeah. Then his name is Maggie Groom. Huh? 56. Il a 56 ans, his name is... What name? Manjiguru. Manjiguru, yes. Okay. Namaste, thank you. Namaste. And you? What's your name? Subhadra. Gale. Gale. 26. 26 ans, lui. Ah, okay. Et notre troisième larron, c'est lui qui a 34 ans. What's your name? Kornavadra Gale. Kornavadra Gale. Le trekking est l'apanage des Népalais, même si le mot est déposé par la vague de randonneurs tentée dans les années 70 encore par les récits pleins d'aventures des himalayistes. Il y a les cimes, mais il y a surtout les marches d'approche et tous les sentiers qu'utilisent chaque jour depuis toujours les villageois pour se déplacer d'un hameau à l'autre. Combien y a de castes au Népal? Au Népal, la population est mongoloïde. Beaucoup de castes. Beaucoup de castes, oui. Une centaine peut-être. Dans le terrain, on a vu à 100 mètres d'altitude, c'était les Tarou. Oui. Plus haut sont les Sherpas. Et ici, sont les Gurung. Ici, les Gurung. Ok, toute la vallée, ce sont les Gurung. Partout, all the trek, we'll see the Gurung. Hello. So you can recognize his face is not look like a Gurung. No, it's different caste. Et pas du tout mongoloïde. Yeah.
Plutôt indienne, more indienne. Ouais. En fait, au Népal, ouais, c'est ça, on est entre la Chine, le Tibet et l'Inde, donc... Les gens sont très différents. Mais ce sont des fermiers, en fait, dans toute la vallée, ce sont des fermiers, peu importe la caste, ils sont presque tous fermiers. La population du Népal compte tellement de groupes qu'il est difficile de les résumer. Mais la mosaïque vient de la rencontre des Indo-Aryens de l'Inde avec les Tibéto-Birmans de l'Himalaya. Comment ça fait une douce chaleur. Et je ne sais pas si vous aurez remarqué que Vera et moi, on est habillés assez longs. C'est une chose qui se fait dans les treks. Vera, à Katmandou, elle a toujours des grandes robes, des grandes jupes longues. Ah oui, on ne montre pas ses jambes. On vient pas c'est très choquant. Pour montrer ses jambes, ouais. J'espère qu'il est solide. Ah. On peut très bien partir en randonnée seul du jour au lendemain. Sinon, il existe plus de 300 agences de trekking qui peuvent judicieusement vous proposer des itinéraires, réserver les lodges du soir et vous présenter un honnête et sympathique sirdar. C'est chaud, hein. Ah, des petites réparations en pierre. Faut avoir confiance. In Annapurna, we trust. Voilà, nous sommes rescapés de la rivière Maudit, du pont de la rivière Maudit, sans doute béni par le Machu Picchu. Que l'on ne quitte pas des yeux. Et le trek de Gandrung, c'est beaucoup de dénivelé, c'est pas difficile, mais on a beaucoup descendu, maintenant on va beaucoup remonter. Ce qui m'a beaucoup plu dans le trek de Gandrung, ce sont les sublimes paysages, l'effort progressif qui régénère vigoureusement, et le fait que l'on se sente un peu chez soi, en passant par tous ces hameaux, où l'on s'affaire tranquillement aux tâches quotidiennes. Les mules du Tibet. Ouais. Et souvent, ils transportent le sel dans des gros sacs. Ah, il y a toujours des caravanes. Ça commence à se couvrir un peu là-haut. Le Machu Picchu, 7059 mètres, n'a jamais été gravi car il est sacré et tabou. Bon, quand on fait un trek, il paraît qu'il faut chanter. Enfin, il paraît, ça aide à marcher, c'est joyeux. Et il y a beaucoup de folk songs népalaises. Et la fameuse qui nous suit déjà depuis le début du voyage, c'est Tangananana. Ouais. Commence à récolter le riz là-bas. C'est fou, hein. Une mini maison juste à côté du chemin de trek. Ici, c'est une famille de la caste des fabricants qui peuvent toucher le métal. Ils peuvent fabriquer les outils avec le métal. D'accord. Ouais, ouais. Les outils, des coupettes et tout ça. Et là, ils s'en servent pour faire en plus des pots en bois. Juste pour milk, you know, to put milk inside. Biotop, ça s'appelle. Ouais, on voit un peu la vallée de tout ce qu'on a parcouru. Une bonne journée de trek commence à 7h du matin. On déjeune alors vers 10h et l'on arrive vers 3-4 heures de l'après-midi, là où l'on va dormir avant le froid du crépuscule et avant les ampoules aux pieds à force de marcher. Ce lodge est vraiment confortable, eau chaude à l'étage, draps et électricité. Les propriétaires sont même formés à la cuisine qui tient au corps. Ah,
Au réveil, à Gandruk, on a encore l'impression de rêver. Toutes les cimes sont ensoleillées. D'ici, on comprend pourquoi le Machu Picchu est surnommé « queue de poisson ». You see the mountains? T'as vu les montagnes? C'est génial, hein? Bon, on a encore une grande journée. Et les Didi. Pour la cuisine du matin. Coffee? Coffee, yes, good. Milk coffee? Plain coffee, just black coffee. Oh, just black coffee. You're a black coffee, my goodness. Okay. Oh, with sugar and without sugar? No sugar. No sugar. C'est bien, on va dans la cuisine le matin, enfin le soir voilà. Aussi, c'est la salle de petit déjeuner, dîner, et on commande. Mm. Un pancakes? Yes, pancakes. Des crêpes, pancakes, ok. Yeah. Pancakes with honey? Yeah, with honey. Des crêpes avec du miel, c'est la grande spécialité du matin. Aujourd'hui, encore une grande journée de trek, on va jusqu'à Landruk. Et là, on retrouve des petits chevaux qui vont nous accompagner et nous supporter un peu pendant la suite du trek. Il rigole toujours, Domba. Sympa. Ciao. Bon, ça veut dire que les chevaux ne sont pas loin, super. Hein? Rendez-vous à Landruk. Grand souvenir pour Vera qui a fait un trek à cheval ici. Hein. Oui, c'était il y a 5 ans. Avec ses mêmes petits chevaux, même style. Je suis partie 10 jours avec Laxman dans les montagnes. C'était super. Ça, c'était un peu un rêve de monter à cheval ici. Bon, voilà notre deuxième monture. On n'est pas très haut. Tiens, allez. Allez. Ne pas être très courant parce que tous les gens du village sont assez surpris et demandent d'où ils viennent et les chevaux viennent de Pokhara. C'est génial. Voilà, il y a une grande descente là, on va pas les mettre trop à l'épreuve quand même. Hein. Allez. Allez. La bonne baignade. Allez, c'était. Allez. Les petits chevaux de Laxman sont des mustangs, des vrais cabris de montagne, robustes, un peu résignés. Waouh. Là, à pied, je sais pas si j'y arriverai, alors lui, impressionnant, ces chevaux de montagne. Nous formions une drôle de caravane, Vera et moi à cheval, le sierdar et les porteurs à pied, à chacun son paquet. J'ai voulu alterner et puis j'ai enfin compris que les mustangs effrayaient un peu nos compagnons de trek, bien plus assurés en marchant. Pour nous et pour le dernier jour, c'était amusant de varier les plaisirs.
Voilà, nous quittons Dampous pour Katmandou. Et c'est avec cet été que se terminent ces aventures asiatiques au Népal. J'espère que vous aurez aimé voyager avec nous autant qu'on aura aimé vous faire partager notre voyage. J'espère que vous aurez aimé découvrir l'esprit 70s encore vivant à Katmandou et la beauté des montagnes himalayennes comme savent nous le faire partager les Népalais. Ciao, à bientôt.